Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Apple. Aujourd'hui, très court tuto, en disant très court, c'est vraiment très très court, parce que je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un fond vide pour importer vos logos ou vos textes sur Photoshop ou sur After Effects, enfin n'importe quel logiciel. Donc, on va créer un texte. Donc, mot graphe, mot texte, hop. Je vais écrire Paul, enfin voilà, j'ai pas d'autre idée. On met la profondeur à 100. On va mettre bon, c'est bon, c'est bien. Dans objet, on prend la police. Et moi, je vais mettre une police qui s'appelle Xerod. Donc voilà. Je vais lui appliquer une couleur quand même. Donc je vais lui appliquer. Ou aller un blanc. Non, pas un blanc. Un gris comme ça. Vu que la réflexion elle servira à rien. Hop. Et on glisse ça sur le texte. Donc oui, on voit mal. On va créer. Tiens, non. On va cliquer sur la matière grise. Oui, la matière grise. On va mettre l'intensité à 50 et on va lui mettre un Fresnel à 50. Allez. Ensuite, on va créer un ciel. Et on va aller dans fichier, charger un prime réglage de matériaux, prime matériel, HDRI 024. Et on glisse cet HDRI sur le ciel. Donc voilà, on a une petite réflexion. On tourne le texte. On tourne le texte pour avoir une meilleure réflexion. Oui, on peut aussi tourner le ciel, mais je viens de découvrir. Voilà, parfait. Donc ensuite, je vais augmenter la profondeur du texte parce que si on l'importe, c'est bien pour faire quelque chose de 3D. Donc je vais le mettre à 150. Ensuite, donc très important, on va aller dans les rendus. Donc en sortie, je vais mettre en HD. Donc HDV, HDTV 720, 2997. Et on va le mettre en manuellement. On va dans enregistrer, on s'enregistre, donc on va mettre ça sur document, et je vais l'appeler Wapol PSD. Voilà. Hop, hop. Donc en format, il va falloir mettre PNG, et en profondeur, on va mettre 16 bits. On va ensuite cliquer sur Canal Alpha et Canal Alpha Lycée. Anti-aliasing, on va mettre au mieux. On va mettre un effet profondeur de champ, un effet illumination globale et un effet occlusion ambiante. Et on quitte. Voilà. Donc on a notre texte. Et on va lui faire un rang. On va d'abord mettre une petite lumière quand même. Ce sera dommage de ne pas voir le texte. Voilà. Et on met un rendu. Donc voilà. Donc si vous voyez toujours l'HDRI derrière, c'est normal, c'est parce qu'il l'a mis derrière, voilà, on sait pas pourquoi. Mais quand vous allez dans vos documents et là où vous l'avez enregistré, vous voyez un petit fond blanc, mais toujours la réflexion de l'HDRI. Donc pendant que j'y suis, je vais vous montrer comment l'importer sur Photoshop, hein, on va pas faire un tuto pour rien. Donc on ouvre Photoshop. J'ai quitté l'image. Hop. Donc pour tous ceux à qui quand Photoshop s'allume, il s'appelle White Rabbit, un gros big up à vous parce que moi j'ai téléchargé Photoshop et il met White Rabbit. Enfin bref, on s'en fiche. On va mettre un nouveau fichier. On va l'appeler tuto. Je le mets en 1280x720 et OK. Voilà. Donc vous ouvrez votre document, vous les réduisez. Et vous glissez Wapol. Et voilà. Voilà, voilà. Vous l'importez. Et oh, c'est magnifique. Donc voilà, ce tuto, je vous avais dit, il était court, il est terminé. Je vous dis salut à toutes et à la prochaine. Et à la prochaine, ça veut rien dire.